Enfin, le e-commerce, donc Cenova, on va y revenir, puisque nous avons annoncé, comme vous le savez, hier, une réorganisation importante de Cenova. Là, c'est un commentaire sur l'activité 2015. En 2015, le volume d'affaires de Cenova a été de 4,8 milliards d'euros, en croissance de 16,4% à taux change constant par rapport à 2014. Parmi de nombreux éléments, notons la progression élevée des marketplaces, qui est la partie évidemment rentable dans ces activités, dont la cote-part rapportée au volume atteint désormais 20,5%. C'est la moyenne entre la partie Brésil et la partie France. Le trafic a été de 1,711 milliards de visites, plus 28,9%. Notons en France la très bonne dynamique commerciale de Cdiscount, avec une part de marché en croissance au T4 2015 à 27,4%. Cette part de marché dépasse les 30%, on va le voir tout à l'heure, en ce début 2016. Au Brésil, au contraire, l'activité de Cenova Brésil a été impactée par la récession et un marché du non alimentaire très fortement négatif. En France, la GMV, donc les volumes d'affaires, ont été en croissance de 18,9% en 2015 par rapport à 2014. La cote-part de marketplace atteint fin 2015 27,5%, plus 876 points de base par rapport à 2014. Les ventes se sont accrues de 10,2% et les commissions de marketplace de plus 85%. Comme je l'ai indiqué, la part de marché de Cdiscount en France sur les catégories des biens techniques a été en janvier 2016 de 34,4%, plus 3,8 points sur un an, ce qui fait là encore de nous, de très loin, le leader sur ces catégories de produits techniques. Le ROC est proche de l'équilibre et la dynamique commerciale a été soutenue tout au long de l'année par différentes opérations commerciales qui sont caractéristiques de Cdiscount, qui a toujours eu une activité promotionnelle très forte. Le trafic a été en croissance forte de plus 30,5%. Et enfin, la part de marché en janvier, nous l'avons vu, était en croissance de 3,8 points. En février, cette croissance est toujours positive, en progression de plus 1,5 points.